So welcome everyone, welcome to competition. Is it destroying your business and your life? And I'm Shauna Teaken. I'm an Access Consciousness 3-day body class facilitator and CF. Eryl, can you translate that for me? I can. Bonsoir et bienvenue à tous. Donc dans ce call sur la compétition, et donc ce sera Shauna Teaken qui nous présentera ça, et elle est facilitatrice certifiée d'Access et facilitatrice des 3 jours corps aussi. Thank you, and we have the beautiful Phoebe Gibbs, who is also a certified facilitator from Access Consciousness. She and I are going to be chatting about competition and sharing some clearings, getting to some maybe new awarenesses about what competition is. Welcome, Phoebe. Et donc Phoebe nous rejoint aussi pour qu'elle puisse interagir toutes les deux à propos de la compétition et peut-être vous donner quelques nouvelles possibilités et ouvertures sur ce sujet. Et donc bienvenue à Phoebe. Thank you, Shauna. Thank you, Eryl. Thank you, Tekla. We're so excited to be getting more global and sharing with you guys who speak French. How did we get so lucky? Donc, merci à Shauna, Tekla et moi, Eryl. Et Phoebe nous dit qu'elle est ravie de pouvoir globaliser, donc de venir se présenter à la France et aux francophones. Wonderful. Okay. So I guess I would really like to start with, France is one of the fastest growing countries in the world as far as Access Consciousness goes. The enthusiasm and the joy and the desire for more consciousness, more change in France at the moment is huge. How does it get any better? How does it get any better? Yeah. La France est un des pays où il y a le plus d'expansion au niveau Access Consciousness et où il y a vraiment un désir fort vers la confiance et plus la conscience et plus d'ouverture d'esprit. Donc, comment est-ce que ça devient mieux que ça? And competition is, if you in your foundation class, many of you online have done foundation, you will have received what we call the 10 commandments of Access or the 10 keys to consciousness. And for any situation, yes, you want to say that, Eryl? Yeah. Donc à propos de la compétition, si vous avez déjà fait foundation, ce qui peut être le cas de plusieurs d'entre vous, vous aurez entendu parler des 10 commandements d'Access dont fait partie la compétition. Competition is number 8 in that list of 10 keys to consciousness. Of at any moment for any situation that comes up in your world, you can go to those 10 keys. You could write them down on a little card, pick one and apply that tool or that key to whatever is going on around you. So the concept of no competition is central to Access Consciousness. Donc, quand vous avez ce manuel des fondations ou, comme Tekla vous montrait, le petit livret sur les 10 commandements d'Access, les 10 clés vers la liberté totale, vous pouvez noter ces 10 commandements sur un petit bout de papier et en retirer un et puis l'appliquer, appliquer ce concept au quotidien. Yeah. And yet, it would appear that we have a lot of competition going on out there. Et pourtant, oui, même si c'est un des concepts clés d'Access, il semblerait qu'il y ait pas mal de compétition autour de nous. Yeah. So I would like to, I'm actually going to read to you the from the manual what competition is. So excuse me while I have my glasses on while I read. So, donc on va vous lire la partie de fondation sur la compétition. Okay. Competition is when you don't recognize the value of you. La compétition, c'est quand tu ne reconnais pas ta propre valeur. Yeah. When you don't acknowledge the contribution you are and you be. Quand tu ne reconnais pas la contribution que tu es. You go into competition.
Donc, tu rentres dans la compétition. You adjust your life to other people's life so you can't show up as you. Tu ajustes ta vie à la vie des autres autour et tu ne peux donc pas avoir ta propre vie. Competition is a choice. La compétition est un choix. You can choose to compete or you can choose to create. Tu peux choisir d'entrer dans la compétition ou tu peux choisir de créer. So people do competition when they think someone else is going to take business, clients, customers, even friends or lovers away from them. Donc les gens font de la compétition quand ils ont l'impression qu'on va leur retirer du business, un business, du travail, des amis ou même l'amour de leur propre vie. So really, behind the whole idea of competition is a lack. There isn't enough. I'm not enough. There isn't enough out there. Donc, ce qui est derrière la compétition, c'est en fait, c'est un manque. Il n'y a pas assez. Je ne suis pas assez. Et donc, il va manquer de quelque chose. Guess what? That's a lie. Et devinez quoi? C'est un mensonge. So if it feels tight, hard, contracted, heavy, yucky, yes, because it's not true. Donc si ça vous paraît serré, contracté, une énergie désagréable, c'est effectivement parce que c'est pas la vérité. Thank you. So basic tool of access is heavy, light. If it feels uncomfortable to you, dense, contracted, yucky, that's not you. That is not consciousness. Donc, un des principes d'accès, un des outils d'accès, c'est lourd ou léger. Donc, s'il y a quelque chose qui vous paraît dense, lourd, contracté, désagréable, c'est quelque chose de faux pour vous. Yeah. And so, what if it's possible that if you are very, very aware, you will be very, very aware of everyone's point of view is there is not enough money around, there is not enough clients around, they're watching me, they're going to copy me, they're going to steal from me. Et donc si vous avez une grande conscience, vous êtes aussi conscient de tous les points de vue des gens autour de vous sur il n'y en aura pas assez, ils vont prendre les choses de moi, ils vont essayer de me copier. I can't remember what the last one was. That's fine. You got the energy of it. And yeah. The energy of it, that is the thing. And so what I want to throw a little, maybe a little bomb into your universe, everyone, and say, what if that your awareness of competition is actually a capacity you have that you could be using for you, to your advantage, for your life, your living, and your business? Et donc je vais lancer une petite bombe dans votre univers. Et si cette capacité que vous avez à tout percevoir et à être conscient de ces énergies là, c'était une très grande capacité au contraire. You know, Dr. Dane here speaks about your wrongness, whatever you think is wrong with you. Every wrongness is actually a strongness. Dane here nous dit que tout ce que vous pensez être un tort en vous est en réalité une capacité et quelque chose qui est fort en vous, une force en vous. Yeah, I'm a little bit crazy, or maybe very crazy, because I have the point of view that if something is not working, that actually underneath that is the opposite of it. You know, everything is the opposite of what it appears to be. We say that. So if you have a money issue, a health issue, a relationship problem, and it doesn't seem to be changing and it's a repeating pattern and no matter what you do, there is still some of that there, would you be willing to look at it from a different angle?
Donc, je suis un petit peu folle de penser que ça peut être une force. Et donc, dans Access, on dit aussi que tout est l'opposé de ce qui apparaît être et rien n'est l'opposé de ce qui apparaît être. Donc, voilà, comment est-ce qu'on va appliquer ça? If you will look at it from a different angle, move the camera and look from it over here instead of here, it may be... Si vous regardez quelque chose sous un autre angle et vous déplacez la caméra d'un endroit à un autre, alors peut-être... It may be that your what you think is your money problem, your business problem, your competition worth is actually you have a fantastic capacity to create and generate in that particular area. And if you will acknowledge just a little bit of that, poof, oh my goodness, everything can change right now. Donc, si vous changez votre perspective et que vous transformez le point de vue que vous avez sur ce qui vous semble être un problème d'argent ou un problème de business ou quelque chose comme ça, vous changez de perspective dessus, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au contraire, c'est une grande capacité que vous avez dans ces domaines-là. Et à ce moment-là, votre monde peut complètement exploser. And you might be going, what? What? If you are willing to acknowledge that you are an infinite being, nobody can compete with you. Not even you. Si vous êtes prêt à reconnaître que vous êtes un être infini, personne ne peut être en compétition avec vous, même pas vous. Yeah. And probably like most humanoids, you hate to make anyone else feel bad, leave them behind, overlook them. Et en bon humanoïde, vous probablement vous avez horreur de laisser les gens être inconfortables ou leur déplaire et les laisser derrière vous. So you will go, I am not doing competition because I don't want to hurt anyone else's feelings. I don't want to be superior. I don't want to have too much money because I don't want to make other people feel bad. Oh, that's crazy. I don't want other people to feel bad. This is the crazy stuff that we do. So you will not even compete. So one is you can't compete. You're an infinite being. And then you also choose, I'm not even going to play the game. So you stay small. And then what you get is this big lockup where nothing really works terrifically well for you. Donc, ce que vous faites, c'est que d'une part, vous ne pouvez, comme être infini, vous ne pouvez même pas être en compétition avec quelqu'un d'autre. Mais en plus de ça, vous n'avez pas envie d'entrer dans ce jeu-là et donc d'être en compétition parce que vous ne voulez pas rendre les gens inconfortables et vous ne voulez pas faire de mal autour de vous, etc. Et donc, vous allez rester tout petit voilà, dans une petite... votre vie va rester petite. In the same way that many people will not play big in business because they don't want to be part of the system, the consumer society, the money thing, so they won't play in that area of abundance and more money and generating more. Donc de la même manière, les gens qui n'ont pas envie de faire de devenir grand dans le business parce qu'ils n'ont pas envie d'entrer dans le mot m'échappe, dans un plus grand... Wealth, maybe, you know, like... No, that wasn't the... Système économique, ouais. Ouais, le système économique ambiant et tout ça, ouais. Ouais. Yeah, yeah. They get it. They get what I'm saying. Yeah. You get it. But so in the same way... We will not compete in the world of business, classes, more clients, more bars class, more whatever class you're running. We will not. We refuse to compete in a huge way because that would be joining the system of competition. Et donc de la même manière, on refuse de faire d'essayer de créer des grandes classes, des grands événements parce que ce serait entrer justement dans cette compétition.
So everything that is, can we uncreate and destroy that, please? Yeah. All the energy that comes up with that. Tout ça et toute l'énergie que ça fait remonter, est-ce qu'on peut la détruire et la décréer? Right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. And I just have a clearing here. What stupidity are you using to create the total need for competition you are choosing? Quelle stupidité utilises-tu pour... what stupidity are you using to... create the total need for competition? Quelle stupidité utilises-tu pour créer la, le besoin total? You are choosing. De la compétition que tu choisis. On a loupé un mot, excuse-moi, Tecla. De la compétition que tu choisis. De la compétition que tu choisis. Everything that is, can we uncreate and destroy it all, right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. Tout ça, on le détruit, on le décrit. Okay. What does that mean? It means that we go, I don't want to do competition, but I feel I should, because if I'm not competing, I'm not in the race, I'm not joining in. How can I, like you're one or the, everything that is, can we uncreate and destroy it all, please? Et donc là, comme ça, on est dans le, je devrais faire plus et être plus, etc. Mais en même temps, je veux pas être dans la compétition et on est dans un mouvement perpétuel entre ce que je devrais ou pas faire. Et donc, tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on peut le détruire et le décréer? Oui. Yay! Thank you, Tecla. We got a pock potter there. So, you see that this whole thing is so intertwined and confusing and overladen. And underneath it all is very simple. You are very, very aware. Et donc, vous voyez comme les choses sont toutes mélangées et pas faciles à clarifier. Et en fait, ce qu'il y a en dessous est vraiment très, très simple. Vous êtes très, très, très conscient. And then, Shauna, I was listening to that about being... afraid to hurt anyone's feelings because I created bigger than them. Yeah. And I realized I sometimes don't play because I don't want to fail. And look. Wow. Et donc, par rapport à ce que tu disais, Shauna, je veux pas créer grand pour ne pas être dans la compétition. Quelquefois, je reste aussi. À rester dans des choses petites. Okay. Thank you. To compete and win is one thing. To compete and fail feels like another. Wow. Donc pour ne pas échouer, parce que être dans la compétition et gagner, c'est une chose, et être dans la compétition et échouer, c'est autre chose. Yes, and so everything that brings up where you have maybe... a fear of failure, no desire to fail. Failure has this energy and aura around it of as if it's wrong. As if it might kill you, actually. As if it might kill you, actually. Well, okay. Everything that is, can we uncreate and destroy it all, please? Yes, please. Right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. And toute cette énergie sur la compétition et la non-volonté de perdre et d'échouer ce que ça veut dire échouer, donc toutes les énergies autour de l'échec et pourquoi est-ce que ce serait même un tort d'échouer, est-ce qu'on peut le détruire et le décréer? Thank you. So for all of the lifetimes where you have tried and failed et donc, in a million different ways, essayé et échoué, and then you have made a decision, a vow, a judgment where you've gone, never again will I attempt, never again will I try, I will never allow myself to be that vulnerable again. Et donc, vous avez fait un serment de ne jamais, plus jamais faire ça, que vous ne, ouais, de ne plus jamais reproduire ça. So, would you be willing to revoke, recant, rescind, renounce, denounce,
Et donc, qu'est-ce que vous voulez bien? All of those judgments, decisions, conclusions, computations that you came to. Et donc, toutes ces décisions, projections, jugements, c'est ça, que vous avez créés autour de ça, est-ce que vous voulez bien les révoquer, abjurer, annuler, renoncer, dénoncer, détruire et décréer? Thank you. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Because here's the thing. If you've made a vow, like a religious vow, that you will fight the good fight, you will win the war for your king or for your church or whatever it is, and you fail, you are then an oath breaker. You have broken your vow. There is so much judgment that you are then a worthless piece of nothing. Et donc, si vous avez fait un serment dans une quelconque vie à, que vous alliez gagner cette bataille, que vous alliez réaliser quelque chose et que vous avez échoué, en fait, vous avez, en fait, comment, brisé ce serment. And you also could have been put to death for failing. Absolutely. Vous pouvez même avoir été tué pour avoir échoué. So everything that brings up for everyone listening, so that's why we revoke, recant, rescind, renounce. That takes back the judgment, the decision you made. It doesn't break the vow because we have so much judgment that we promised we would do something, we attempted to do something and we didn't. We've failed as if that is the worst thing in the world. So everything that brings up and all your judgments of failure, that it's wrong, would you be willing to uncreate and destroy all that, please? Yes. Right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, quand on a tous ces serments, ce qu'on fait, c'est les révoquer, les abjurer, etc., les dénoncer. C'est en fait pour ne pas, pour que si on échoue, on ne soit pas justement dans le, voilà, dans le fait d'avoir brisé son serment ou voilà, donc on renonce à tout ça. Yeah. Et donc tout ce que ça fait remonter, est-ce qu'on peut le détruire et le décréer? And would you be willing to have the joy of failure? Et est-ce que vous êtes d'accord d'avoir la joie de l'échec? And everything that doesn't allow that, would you uncreate and destroy it all, please? Est-ce qu'il ne vous le permet pas? Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. If you read the biographies of Richard Branson, Warren Buffett, any of the people who have been incredible entrepreneurs and created amazing things, or any great person from history, actually, you will see that they failed many, 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 many times. What does Gary Douglas say? You never give up, you never give in, you never quit. Si vous lisez des biographies de personnes, des personnalités qui ont grandement réussi, comme Richard Branson ou Warren Buffett, c'est des personnes ou d'autres personnalités, c'est des personnes qui ont échoué de nombreuses fois avant de réussir. Gary Douglas dit ne jamais renoncer. Never get give up, never quit. Donc, n'abandonne jamais. Ouais, n'abandonne jamais, ne renonce jamais et ne laisse jamais tomber, quoi, en fait. Comment c'est traduit très précisément, mais c'est ça. Thank you. I just noticed there's some questions. Should we, people are asking some questions in the chat here. Should we answer some of those? Yes. Let's do. I think Tekla's just, Frédéric was saying, tu vois, Eryl, la croissance rapide d'accès en France va nous pousser à être vigilants. Tu veux les dire en anglais, Frédéric? Je peux essayer. Vas-y. Hello. 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 What I mean that the access is increasing so quickly in France, as you said previously, that I think it will drive us to be to make sure that we won't be competitive one between another. So if we have to be careful about that, to be aware enough
not to be competitive altogether in France. Is it clear? Yes, thank you. That's very clear. Yes, and anything that doesn't allow that, let's uncreate and destroy it all. Right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. The energy of contribution creates so much more than we can possibly imagine. And you, for me, if I'm thinking, oh no, someone else is running a foundation class in Brisbane and Brisbane is a small city. No, and that happens sometimes. But for me, that facilitator has actually phoned me and said, would I come along and run a little mini class at lunchtime in her foundation? I was like, wow, what a contribution. Yeah, come in. Let my people get to know you. So in how many ways can we contribute to each other? What does that create and generate? You may never know actually what it creates and generates. I may never see those people again that were in her class. And yet there is an energy that is created when you expand, you realize that you have infinite capacity for creation, absolutely infinite. And when you put that together with someone else's desire for consciousness, oh my goodness, it's like you don't double, you like a million times bigger. I'm sorry, Eryl, I've run on. You have to wave, Eryl. Yeah. Non, on parlait de la compétition et donc Frédéric disait que la croissance rapide d'accès en France va nous pousser à être vigilants, à ne pas entrer en compétition les uns avec les autres et rester conscient que nous sommes des êtres infinis. Et effectivement, ce que Shauna répondait à ça, c'est qu'effectivement, en restant dans l'expansion et en restant dans la contribution les uns envers les autres, même si pas loin de chez Shauna, quelqu'un crée une classe à Brisbane, qui est une ville relativement petite, cette personne-là va demander par exemple à Shauna d'être une contribution pour la classe et par exemple de participer sur l'heure de midi. Et donc le fait de contribuer les uns aux autres comme ça va créer et démultiplier tout ce qui se passe dans les classes et entre nous. Thank you. Et elle a parlé de s'expandre, d'expandre aussi. Ouais, l'expansion, ouais. Restons expansés. Yeah. And you know, I have to say that it actually takes courage and vulnerability to use this particular capacity, to be able to be willing to be a contribution. That's asking the energetic questions. If I choose this, will it create more? What will my life be like in 10 years, 50 years? What will the world be like if I contribute here? There is such... Sorry. Yeah. Cette énergie de contribution demande aussi du courage et de poser toujours des questions en conscience. Donc, qu'est-ce qui va être créé si je contribue? Qu'est-ce que cette contribution va créer? Et comment va être... ma vie, le monde, etc. dans 5 ans, 10 ans, etc. Thank you. Phoebe, did you have something to say to that I maybe cut you off from? No, but I am thinking when competition comes up, what are your suggestions of how to proceed? Well, okay, thank you. That's a great question. Hey guys, you've got to get used to manipulation. Donc la question de Phoebe, c'était quand il y a de la compétition, qu'est-ce qu'on fait? Donc la réponse de Shauna, c'est vous devez apprendre à manipuler. Here's the thing. Everybody really just wants to be seen, validated. Oh, that's my microphone. Validated and approved of. Everybody. Donc, chacun ne veut qu'être vu, recevoir de l'approbation. So that means it's really, if you know that, it means it's really easy to look at everyone around you and go, how easy is it to validate someone else? How easy is it to be kind?
à quel point est-ce que c'est facile de regarder autour de vous et puis de voir à quel point c'est facile de valider quelqu'un de lui. Ouais, on parle pas de valider. Parler de gentillesse, non? Ouais, de gentillesse aussi, ouais. Mais oui, voilà, c'est ça, c'est de la reconnaissance hein, envers quelqu'un, ouais. D'avoir de la reconnaissance et être gentil. So, for me, in Access, I've been going to Access classes for 8 years now. I would walk into a big room of maybe 100 people for Gary and Dane's classes and think, oh my goodness, nobody knows me, nobody wants to talk to me. They're the people, those facilitators are, you know, Blossom Benedict is up here and all these famous people are up there, they don't want to talk to me. Everybody wants to be validated. Everyone wants to be, hello, how are you? You just validate someone by saying, smiling and saying hello. If they don't respond, doesn't matter. But it creates an energy of you relax, you're willing to be expansive, a contribution, kind. It creates a whole different energy in your universe. Whether they choose to be a part of that or not, doesn't matter. It doesn't matter. It takes a minute to be kind to someone and they will remember that forever. Is that a manipulation? Absolutely. Do I mean it? Absolutely. Am I kind? Yes. I can be a mean, nasty bitch too, but it's a choice. Sorry, Eryl. Donc, Shauna disait que les premières grandes classes d'Access qu'elle faisait, elle n'osait pas aller vers les gens. Elle disait, il n'y a personne qui me connaît. Mais c'est tellement facile de donner de la reconnaissance aux gens. Quelquefois, il suffit de leur faire un petit bonjour. Et après, le fait qu'ils répondent ou pas, ça va être leur choix. Et c'est pas grave. Et donc, d'entrer en reconnaissance envers la personne ou d'avoir cette gentillesse envers eux, ça va prendre qu'une seule minute ou un tout petit moment et ils vont s'en rappeler après toute leur vie. So, there is a key here. If you had no need to be seen or validated. Donc, la clé ici, c'est si vous n'aviez aucun besoin d'être validé et d'être vu. Suddenly, the world is your oyster. Do you have that saying in French? No, not exactly. Donc, finalement, si vous n'avez plus ces besoins d'être vu et vous avez le monde à vos pieds, en fait. So, if you have the awareness that most people are desiring to be seen, to be validated, and yet you don't have a need for that, it changes the game. Si vous avez la conscience que les gens ont ce besoin d'être vus et d'être reconnus et que vous n'avez pas ce besoin, ça change complètement la donne. Everything that brings up. Like, could it be so simple? Yes! Can we uncreate and destroy anything that doesn't let you see that it is that simple? Et donc, tout ce qui ne vous permet pas de voir à quel point c'est effectivement aussi simple que ça. Tout ce que ça fait en montée, est-ce qu'on peut le détruire et le décrire? Yeah. So, I have a clearing for that. And by the way, I will send the clearings out if people would like them written out. That's something I would like to do. So, I've got it written here. What stupidity are you using to create the need? We've read this one before, but we'll do it again. What stupidity are you using to create the need of validation you are choosing? Quelle stupidité utilises-tu pour choisir le besoin de validation que tu choisis? Right, wrong, good, bad, pod, poc, all nine shorts, boys and beyonds. Et donc les déblayages seront envoyés après l'appel. So what is that other energy that's there? Are you aware of what that is, Phoebe? There's something that comes up when I say that clearing. What I felt was if someone else wins, that I will have less. Qu'est-ce que c'est que cette énergie qui remonte?
Okay. Donc, j'avais le sentiment que c'était si quelqu'un d'autre gagne, je vais en avoir moins. That it will somehow cost me to be kind to another person. Okay. And so does that even belong to you or does that even belong to us? It's not mine, but it's the energy I picked up when you did. Yeah, thank you. So that is really where this reality functions from. This is why the... I'll say that one though. She didn't. Sorry. Yeah. Okay. Thank you. Et... Oh, I can't remember what that one was. Et que ça me coûtera d'être gentil. Et donc, c'est une énergie qui est présente dans le monde autour de nous. What was that? What was... Everyone just kind of went blank and left the room. What was that? I wasn't sure if Eryl was finished, actually, translating. So that's why I looked like that. Oh, no, it's okay. Me too. The energy that I was aware of was like, wow, we're into some other territory here. So that is this reality's functioning from there isn't enough to go around. There is a limited amount of resources. The planet is running out of resources. The money is... Eryl, all of that? Donc, c'est vraiment une énergie qui est très présente autour de nous, de ce manque de... on va manquer d'argent, on va manquer I can't remember what you said, lack of money, lack of... Resources. Les ressources, la nature. Oui, la terre qui... La terre. Ouais. Yeah. Et l'argent, et des ressources limitées en argent aussi. Ouais. Yeah, so everything that is, will you uncreate and destroy all of that, please? All the energy that comes up with that. Et toute l'énergie qui remonte avec ça, est-ce que vous voulez bien les détruire et les créer? Right, wrong, good, bad, pop, all nine shorts, boys and beyonds. And so, would you be willing to create beyond this reality's... Et est-ce que vous voulez bien créer au-delà de ces réalités-là? And then we come... Yes, and everything that doesn't allow that, let's uncreate and destroy it all. Si vous n'avez pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. So here's the thing. This reality sees life as some kind of football game or competition or fight for limited amounts of resources like gold or diamonds or money or food or attention or fame or whatever it is. That is this reality's version of how things are. Donc dans cette réalité, on est dans un espèce de match de foot où tout le monde se bat pour avoir des limites, des ressources qui sont limitées, des ressources en monétaires, en objets, etc. et en attention aussi. Okay. And that is why we call it human race. It's a race, like a horse race. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle human race, donc la race humaine, mais race en anglais c'est aussi la course. So, and then you either will run the race but handicap yourself. Et donc soit vous courez la course mais vous vous handicapez, enfin vous donnez un handicap. And we handicap ourselves by playing small, staying small, not getting out there and being seen. Et ce handicap, on se le fait en restant petit et en n'ayant pas la volonté d'être vu. Or not even running in the race at all. Ou en ne prenant même pas part à la course. But that's the human race. La race humaine, la course humaine. Here's news, you are not a human. Et en voilà une bonne nouvelle, vous n'êtes pas humain. You don't even have a playing field, a football pitch, a race course. Vous n'avez pas ce terrain de foot ou cette piste de course. We have a theme park, an amusement park, a Disneyland, dream world of our own design. Et nous, on a plutôt un parc à thème ou un Disneyland yeah. à deux, à, qui nous est propre.
And do you have to create what rides and wonderful adventures are in your theme park? Et donc, c'est à vous de créer ces, ces manèges ou ces, ces choses que vous allez expérimenter dans votre parc. Because you know that thing we say, what would you like to create? You have to get, yeah. Et cette chose qu'on dit, qu'est-ce que vous voudriez créer? Get brutally honest with yourself. This is serious now. No, not really. Get brutally honest with yourself. Soyez maintenant brutalement honnête avec vous-même. What would you like to create? Truly, what would be fun for you? Qu'est-ce que vous voulez créer vraiment? Qu'est-ce qui serait amusant pour vous? And keep asking questions. Et continuez de poser des questions. I don't say it will be easy because all of life comes to me with ease, joy and glory does not mean easy. Et je vais pas vous dire que c'est, ça va être facile. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, ça veut pas dire avec facilité. With ease doesn't mean you can just stay in bed until 9 a.m. and lots of people will turn up for a class because you're having a lovely sleep. Avec aisance, ça ne veut pas dire que vous allez rester au lit jusqu'à 9h du matin et puis plein de gens vont arriver à votre classe. There will be action steps and lots to do. Vous aurez des étapes et pas mal de choses à faire. When you start to play in your own fairground. Quand vous allez commencer à jouer dans votre propre parc d'attractions. You can invite people to your playground. Vous pouvez inviter des gens à votre parc. Come on the rides with me. Come on the adventure ride. Venez vous amuser. Venez faire des aventures avec moi. You can look at what other people are doing and their rides are little wooden horses that you just sit on and go like this. Vous pouvez regarder les autres qui chevauchent leurs petits chevaux de bois et qui ont des... Voilà. And go... Okay, that's fine, no judgment. Some people like that, but over here in my theme park, woohoo! Et c'est, il n'y a pas de problème, c'est, il n'y a pas de jugement non plus. Il y en a certains qui peuvent trouver ça très amusant, mais regardez ce que moi j'ai dans mon parc. And lots of things are for free. Et plein de choses sont gratuites. Have you noticed that Gary and Jane and the most successful people in Access give a lot of stuff away for free? Vous avez remarqué que les Gary, Dane et beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès dans Access donnent beaucoup de choses gratuitement. They are being a contribution in every moment. Ils sont une contribution de chaque instant. They know that the more you create, the more you can create. Ils savent que plus vous créez, plus vous pouvez créer. They use the energy flows. Oh my goodness, that's in your foundation manual. Ils utilisent les flux d'énergie. Ça aussi, c'est dans votre manuel de fondation. Phoebe has this amazing energetic capacity and she couples that with using the access energy flows. Donc Phoebe a cette capacité énergétique et qu'elle couple avec les flux d'énergie d'Access. Phoebe, would you speak about how you use the energy flows in class creation? Well, I like to spend a good half an hour in bed in the morning when I wake up and I just connect with everyone who is either looking for a class for my particular energy as a facilitator. Go ahead, Eryl. J'aime bien passer une demi-heure dans mon lit le matin en me connectant à toutes les personnes qui voudraient participer à une de mes classes ou qui voudraient avoir une avoir quelque chose à faire avec mon énergie. And anyone who would like to contribute to the class that even doesn't want to come. Whether they know they are or not, or whether they know they want to come to the class or not, I'm drawing energy on them, as well as the circumstances, places, things, events that would contribute to my class.
Et donc, je me connecte énergétiquement à toutes les personnes qui voudraient être une contribution, même si elles ne le savent pas, contribution à cette classe. Voilà, je me connecte à elles énergétiquement. So I connect with everything 360 degrees around me, and I pull energy through them, through the energy of the class, through me and out. Donc je me connecte à toutes ces personnes et à toutes ces choses qui peuvent contribuer, et je autour de moi à 360 degrés, et je tire de l'énergie à travers elles et à travers moi et à travers la classe. And that feels really good to my body, and it feels like a contribution to all those people that I'm connecting with, whether I have ever met them or not. And I send a little trickle of my energy back to them, or the energy of the class that I'm pulling for. I might be pulling for Shauna's class, even, as a promoting her, so that they can find me, that little trickle of energy goes out to them, so they know how to recognize me when they get here, or recognize my class. Et donc je vais laisser des petits filets d'énergie, de mon énergie ou de l'énergie de la classe, ou par exemple de l'énergie de la classe de Shauna, si je veux contribuer à sa classe, aller vers ces personnes pour qu'elles puissent me reconnaître quand elles vont entrer en contact avec moi. I might also pull energy for my other facilitators in the area, for their classes, and for access consciousness in general, and for consciousness in general. Also to add to the creation of more consciousness. Et donc je contribue aussi aux classes des facilitateurs autour de chez moi, d'access autour, et pour la conscience aussi. And I often do it at night as well. It seems to be getting stronger and stronger the more time I have been doing it. Donc je le fais aussi souvent le soir, et ça, il semble que ce soit de plus en plus fort, plus au fur et à mesure que je le fais. I notice also if there are other facilitators in my area that are practicing competition, I can flow energy to them. Et je remarque que s'il y a d'autres facilitateurs dans ma région qui sont dans la compétition, je peux leur envoyer des flux d'énergie. I can also invite them to create together. Et je peux aussi les inviter à créer ensemble. Or as a group. Ou en groupe. Right. Sometimes they will, sometimes they won't. Quelquefois ils le feront, quelquefois pas. So, Shauna, I'm curious what your take is on the difference between competing and out-creating. Thank you. Qu'est-ce que serait la différence entre la compétition et outre-créer? So, creation or out-creation is only expandable. It can only go outwards. Competition is a form of judgment and can only contract and die. So if you ask what... Sorry. Donc la création et l'outre-création, c'est des énergies qui vont vers l'extérieur. Alors que l'énergie de compétition, c'est une énergie de jugement. I like it. So, sorry, Phoebe? But no, yeah. I was appreciating that description. That's awesome. So when you say, what would it take to out-create, you're not doing a super expanded form of competition. You're not doing uber competition now. Donc, si on est dans l'outre-création, on n'est pas dans la super compétition. A question to ask is, what would it take for me to out-create myself with money, relationships, my friends, my business? Une bonne question, c'est comment est-ce que je peux m'outre-créer moi-même avec mes amis, mon argent, mon business, etc. So would you be willing to out-create everyone with no judgment? It doesn't, out-creation doesn't require you to judge where they are, where you are, and then go, oh, how do I get to them and then over them?
out-creation is a possibility and an inclusion. Donc l'outre-création, c'est, ça requiert pas de juger où est-ce que j'en suis, où est-ce que ces personnes en sont, et d'aller au-delà, c'est I can't remember what the last thing you said was. Business? Inclusion. Ah, inclusion. Inclusion, oui. Yeah. C'est une inclusion. Ouais, on inclut les autres dans l'outre-création. So, when you ask, what would it take for me to out-create myself today? What would it take for me to out-create everyone out there? You're actually, how do I put this? Quand on demande qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'outre-crée moi-même et que j'outre-crée ces personnes. You're actually, creating from space. Vous créez à partir de l'espace. Anytime anything is not working for you, not moving smoothly, it feels hard. Donc chaque fois que les choses n'avancent pas de façon fluide et que c'est difficile. The question to ask is, am I creating from space or something else? La question à poser, c'est est-ce que je suis en train de créer à partir de l'espace ou de quelque chose d'autre? If you're creating from time, for example, créer à partir du temps, par exemple, or competition or judgment or I've got to get this done, I've got to get more people, I have to be out there, blah, 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 blah. If you simply go... Yeah. La compétition, le jugement, ou il faut que je fasse ci, etc. Oh, it's a choice. What would it take to create this from space? You get the spaciousness of creating from space. C'est un choix. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je crée à partir de l'espace? Okay. Creating from space immediately puts you into the present moment. Créer à partir de l'espace te rend dans le moment présent immédiatement. You are no longer creating from the past, which is what judgment actually is. Vous ne créez plus à partir du passé, ce qui est créé quand vous créez à partir du passé. When you create from space, you are creating for the future. Quand vous créez à partir de l'espace, vous créez pour le futur. So everywhere that you have been trying to create from the past and in the future, donc à chaque fois que vous avez essayé de créer du passé vers le futur, would you be willing to uncreate and destroy that, please? Est-ce que vous voulez bien détruire et le décrire? Right, wrong, good, bad, pop, pop, all nine shorts, boys and beyonds. Because actually you can't create from the past or in the future. You can only create now from space for the future. Vous ne pouvez pas en réalité créer du passé ni dans le futur. Vous ne pouvez créer qu'à partir de l'espace pour le futur. This is actually asking you to be in the 10 seconds. C'est vous demander d'être dans les incréments de 10 secondes. You know that wonderful tool that's in Foundation that you go, oh yeah, 10 seconds, la la, it's gone. Cet outil que vous avez dans la Foundation aussi, les 10 secondes. This call, we're amazing, guys, and thank you everyone for being on it because we're actually getting to the energetics of creation here. Dans cet appel qu'on fait maintenant, là, merci à tous d'être présents. Ce qu'on fait, c'est être dans l'énergie vraiment de la création. Okay, I lost my place. Where was I? Sorry. No, it's not a problem. It's like, you know, you're looking at energy and then trying to speak to that energy. So anytime you try to create from the past, it doesn't create anything at all. If you say, I wish I was as slim as I was when I was 20, I want to get back to that weight. Well, with a lot of force and effort, you can get your body to go back to that weight. Donc, si vous créez à partir du passé, que par exemple, vous dites, j'ai envie de créer le corps que j'avais quand j'avais 20 ans et que, avec beaucoup de force, vous allez réussir à obtenir ce corps.
However, you will also, the past contains all the seeds for what you're not happy with now. Et par contre, vous, le passé contient aussi toutes les petites graines de, des choses sur lesquelles vous êtes insatisfait maintenant. So you will recreate what you're not happy with now even more if you go back and go, oh, I wish I had 10 people in my class again like I did before. What would it take to have that again? Ah, but you're not happy with what you've got now. You want to create more, but you're going to plant more seeds from the past in the present to give you more of what you don't want in the future. Translate that, Eryl. Et donc, ce que vous faites, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver avec encore plus de ces choses qui vous rendent insatisfait parce que à chaque fois, vous retournez vers le passé et vous replantez ces petites graines qui créent les choses qui vous rendent insatisfait. Yes, right, thank you. And that got me back to where I want to be. So when, if you look at someone else's classes or whatever anybody else is doing, that's a judgment. You make a judgment. You try and create from that. Judgment does not come from creation. Creation does not come from judgment. Yes. Yeah. Et donc, si vous regardez les classes de ceux qui sont autour de vous, c'est un jugement. Et donc, si vous essayez de créer à partir de ce jugement, vous n'allez aller nulle part puisque on ne peut pas créer à partir du jugement. However, if in this 10 seconds you choose what you would like to create, si par contre dans ces 10 secondes vous choisissez ce que vous allez créer, vous avez quelque chose à rajouter, Tekla? Just there are two questions in the chat conversation Zoom. Can I just finish this train of thought because I may lose it? So here's what I suggest to you. If you will play with the 10-second tool, amazing things will start to be created and generated for you. Et donc, ce que je vous suggère, c'est de jouer avec cet outil des 10 secondes parce que vraiment, vous allez avoir des choses extraordinaires qui vont se créer. We are used to saying, you have 10 seconds left to live the rest of your life. Choose something and you go, ah, what will I choose? Donc, on a l'habitude de vous poser la question, il vous reste 10 secondes de votre vie, qu'est-ce que vous allez choisir? Et puis, vous êtes là, ah, qu'est-ce que je vais choisir? So, everyone listening to this right now, you have 10 seconds left to live your life. What do you choose? Choose something. Choose joy. Et donc, tous ceux qui nous écoutent maintenant, là, choisissez, s'il ne vous reste plus que 10 secondes pour vivre votre vie, choisissez, qu'est-ce que vous allez choisir? Choisissez la joie. Yeah. And then you go, I don't know what joy is. It doesn't matter. You don't have to feel it, see it, imagine it. Just choose it for 10 seconds. Next 10 seconds, choose the next thing. Right? Et si vous dites, mais je ne sais pas ce que c'est la joie, c'est pas grave, choisissez-le juste. Et puis là, dans les 10 prochaines secondes, vous pourrez choisir autre chose. You can also use the 10 seconds to go, wow, what would it take to create a bars class with 20 people in it? I choose that for 10 seconds, just choose that. Et donc dans ces 10 secondes, vous pourriez choisir aussi de vous dire, wow, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je créer une classe bar de 20 personnes. Now you may go ahead and put that into place and do action steps, right? Et vous pourriez faire les actions nécessaires à créer cette chose. And the magical part was where for 10 seconds you were totally 1000% present choosing something. Et ce qui importe, c'est ce moment où vous, pendant les 10 secondes, vous avez été totalement présent avec ce choix. That small space, it's not a small space, that space of, that is you creating from space, right, is actually unlimited. It is as if the molecules all around you and in your body and everywhere in the universe heard that 10 seconds of choosing. They begin to vibrate out into the future. Et donc cet espace de création, I missed a thing. Just left. The molecules around you are vibrating. Les molécules autour de vous vibrent. Yeah, there was something. Yeah, and at those 10 seconds,
creates a future. Creates a future. Well, the molecules, like dominoes, touch each other into the future. They create a chain reaction into the future. That's what a question does. Donc cette question, ce que ça va faire en fait en créant votre futur, ça va avoir un effet domino sur la création de votre futur. So you got to get, when you ask a question, it actually starts all the molecules around you vibrating very fast. Donc quand vous êtes dans la question, en fait, ça va créer le fait que les molécules vont se mettre à vibrer très rapidement autour de vous. It starts possibilities rolling your way. More possibilities are going to show up in the future. That afternoon, the next day, the next week. Et toutes des nouvelles possibilités vont apparaître et c'est cette vibration des molécules va créer toute l'apparition de nouvelles possibilités. If you stand in front of the mirror and make a judgment of yourself, which is not a question, oh my God, I look so fat today. Si vous placez devant un miroir et que vous jugez, oh là là, qu'est-ce que j'ai l'air grosse aujourd'hui? The molecules still do vibrate around you. Et donc ce jugement n'est pas une question, mais les molécules vibrent quand même autour de vous. They will vibrate into the future and give you more of what you have just said, more fat. Et elles continueront à vibrer dans le futur et à créer ce que vous venez juste de dire, plus gras. Sad but true. C'est triste, mais c'est vrai. However, the power of a question is 1,000,000 times more potent than that. Par contre, le pouvoir d'une question, c'est plus de 1,000 fois supérieur à ça. Shauna. Yes. It's about 6 minutes after 4 and there's a couple of questions. I'm aware, but I need to go with this energy that's been created and generated. So what I'm saying to you is, if you make a choice in this 10 seconds right now, the space that it creates into your future. Si vous faites un choix dans les 10 secondes, juste maintenant tout de suite, l'espace que ça va créer dans votre futur. Is enormous. So you have to get very clear on what is it that you would like to create. Donc vous devez être très clair sur ce que vous avez vraiment envie de créer. And start asking the questions around that from that creation from space. Et donc de commencer à poser des questions autour de ça et de créer à partir de l'espace. Okay. So I see that Solange has a question, but have I kind of answered it? Could you tell me what she has asked, or can she come on, Solange? And Dominique? Yeah, her question is about competition. You have to learn to manipulate. But manipulation, isn't that a sort of judgment? You could judge manipulation as bad, but is it? Donc là, on est sur la question de Solange qui dit s'il y a de la compétition, on doit apprendre à manipuler, mais manipuler n'est-ce pas une sorte de jugement dans un premier temps? Et on peut juger la manipulation comme étant quelque chose de mauvais. Are you asking me or her? No, I was translating what you said. Ah, donc, right. On peut le juger comme étant mauvais, mais est-ce que ça l'est vraiment? So, the question... Yeah, the question was... That's okay, I think I get it. So, is manipulation a judgment or is it an awareness? It's an awareness of an energy. And then you go, how can I use this to my advantage? I have an awareness that this facilitator wants to be seen. She really wants to be greatly successful. So cool. What contribution can I be to her? Donc la manipulation, c'est une prise de conscience. C'est pas forcément un jugement. Et donc on a la conscience de ah, cette personne a envie de créer ci, a envie de créer ça. Ok. Yeah. Quelle contribution est-ce que je peux être? You have to get that each time you step into the greatness of you, you are not stepping on another person. Donc à chaque fois que vous entrez dans votre propre grandeur, vous ne marchez pas sur les pieds de quelqu'un d'autre. Yeah. And not just to Solange, but to everyone.
It is not competition when you step into the greatness of you. That's everywhere that you've misidentified and misapplied, you being all that you can be, you being more as competition, please uncreate and destroy that. Et donc, quand vous entrez dans votre propre grandeur, ce n'est pas de la compétition. Et donc, partout où vous avez mélangé l'idée d'être dans votre propre grandeur avec l'idée de compétition. Okay. So does that answer Solange's question or not really? Does she have more? I can't see in the chat if there's more. No? No, there was another question about how to create space. Do you have to ask questions? Is that Dominique? Yes. So you... Okay. You create from space. So one of the ways is to, you know, the energy pull that you do at the beginning of the bars, when you pull energy through someone's body. Donc, would you be... Pour créer à partir de l'espace, dans la fondation, on a vu comment on tire l'énergie pour les bars. Here's the secret, you can pull energy through your own body. Who on knew? Peut tirer l'énergie à travers notre propre corps. So everyone now, you can do it in any moment. Just open up the top of your head, pull energy through your body and your being down through into the earth. Donc maintenant, on peut tous le faire. Ouvrez le sommet de votre crâne, laissez l'énergie rentrer et traverser votre corps et ressortir vers la terre. And pull energy up from the earth through your feet, through your body, up and out the top of your head. Et tirer de l'énergie à travers la tête, à travers la terre, à travers votre corps et laissez-la ressortir par votre tête. And then how far out can you expand? Et jusqu'à où pouvez-vous vous étendre vers le haut? A great question is to ask how far out would I have to expand not to be the effect of competition? Et combien est-ce que je dois m'expandre pour ne pas être influencé par la compétition? Because you know, if you're running bars or running a body process on someone, you ask, how much space can I be for this person? Donc, quand on fait une séance de bar ou de processus corporel, on demande quel espace est-ce que je peux être pour cette personne? How much space can you be for you? To create from space is just a question, it's just a choice. And doing that physical expansion is just a way of reminding you, oh, relax, relax, breathe, expand, expand, pull energy. What would it take to create from space? Ah, donc, Quand on crée à partir de l'espace, on crée à partir de l'expansion qu'on peut être. There was something more, but That's you got the sense of that. So Frederic has just said what? Quel energy space? Consciousness for just a confirmation of what you said. Yeah, I see it. Thank you. It's good to see it in French. How much space can you be for you? How much space can you be in any moment? If I was choosing in 10-second increments, if, for example, I've chosen in 10 seconds, I'm going to go to an Access 7-day event without actually having the money in my account to go to that. And I just, 10 seconds, I'm choosing that. Next day, a friend rang to come over and say, she wants to go to the 7-day, would I help her do all the bookings online? Sure, I'm helping her to book, and she goes, and book for you too, because we are both going. She paid for my flights, my class, as a loan, I paid her back. But that short 10 seconds the day before of going, I'm choosing it. I can't see how it's possible right now. There's not the money in my bank account. I'm choosing it. Within 24 hours, the possibility of me going to that class presented itself. So every 10 seconds creates and generates so much more for your future. Donc, dans les 10 secondes, Shauna choisissait d'être présente à la prochaine classe de 7 jours d'Access, et sachant qu'elle n'avait pas l'argent qu'il fallait dans la banque. Mais le fait d'avoir vraiment fait ce choix dans les 10 secondes,
a permis que 24 heures plus tard, une amie lui a demandé de l'aide pour s'enregistrer et faire les réservations en ligne. Et elle lui a demandé de s'inscrire elle aussi, en lui disant « on y va toutes les deux ». Et donc, elle lui a payé le voyage et la classe. C'était un emprunt qu'elle va lui rembourser. Mais le fait d'avoir demandé et d'avoir été présente avec cette énergie dans les 10 secondes ont permis la création de cette possibilité. So, everywhere that you are not willing to... everywhere that you're not willing to take advantage of what you're really great at, your capacities. Partout où vous ne voulez pas tirer avantage de ce à quoi vous êtes très bon. Will you uncreate? Yeah. Will you uncreate and destroy that, please? Bien le détruire et le décréer. Right, wrong, good, bad, podpoc, all night, nine shorts, boys and beyonds. Everywhere that you judge that you don't want to take advantage of other people because then they might lose. Et partout où vous ne voulez pas profiter des autres parce qu'ils pourraient perdre. Uncreate and destroy all that. Right, wrong, good, bad, podpoc, all nine shorts, boys and beyonds. Everywhere that you are somehow using the kindness of you against yourself. Partout où vous utilisez la gentillesse de vous contre vous-même. Where actually, if you will step up, create, generate, be all that you can be, that is the greatest contribution you will ever be to the planet and the people on it. Alors qu'en fait, en étant vraiment votre propre grandeur et en exploitant toutes vos capacités, ce serait vraiment une contribution à toute la planète. You have amazing capacities. Vous avez des capacités exceptionnelles. It doesn't have to look like the way you think it's going to look like if you actually start to use them. Ça ne va pas forcément avoir l'air de ce que vous imaginez si vous commencez à les utiliser, ces capacités. If your target is consciousness, si votre objectif est la conscience, every time you choose it, every time you choose to be a contribution, every time you choose to create and generate, chaque fois que vous choisissez d'être une contribution et de créer et générer, there is like a ripple effect that goes out from you. Il y a un effet ricochet qui part de... You may have more intensity of awareness show up. Vous pourriez avoir plus d'intensité de conscience apparaître. Yes, when that happens, yes, do the happy dance. Et quand ça arrive, soyez heureux. Expand and breathe and go, this stuff works. I have more intensity of awareness now. Et à ce moment-là, expansez-vous et respirez. Ouais, j'ai encore plus d'intensité de perception consciente. How can I use this to my advantage? Comment est-ce que je peux utiliser ça à mon avantage? What do I have to institute today to make this grow? Qu'est-ce qu'il faut que j'institue aujourd'hui pour faire grandir ça? What would it take for tons of cash to show up today is always a good one. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que des tonnes de cash apparaissent aujourd'hui? How can I have more fun today than any day so far? Comment est-ce que je pourrais avoir encore plus de fun aujourd'hui qu'aucun autre jour jusqu'à maintenant? And my final secret, don't tell anyone this secret. Et mon secret final, ne le dites à personne. When you are enthusiastic, quand vous avez de l'enthousiasme, nothing can stop you. Rien ne peut vous arrêter. And it is irresistible to people and things and energies. Et c'est irrésistible pour les personnes, les choses et les énergies. Enthusiasm in a person is the most fabulous, joyful, happy energy. L'enthousiasme chez une personne, c'est vraiment la plus l'énergie la plus joyeuse et So you need to, if you wake up in the morning with an elephant on your head, si vous vous réveillez le matin avec genre un éléphant sur la tête,
You must have some things that you go to that bring joy to you. I don't care if it's playing music loudly and dancing to it. Ayez quelque chose qui vous fasse plaisir sous la main. Peu importe ce que c'est, si c'est jouer du piano. Put a recording on of Gary and Dane. It doesn't matter what it is. Put it on. Mettez un enregistrement de Gary et Dane, peu importe quoi. Allumez-le. Go to your list of things you would like to create in the world. Allez voir votre liste de choses que vous aimeriez créer dans le monde. Get that enthusiasm. Remember what it was like when you first had your bars run. Remember what it was like at your first class. Retrouvez cet enthousiasme. Rappelez-vous comment c'était quand vous avez eu une séance de bar pour la première fois, quand vous avez été à votre première classe. As a priority for your body and your life, joy, enthusiasm, happiness, every day. Une priorité pour votre vie et pour votre corps aussi, de la joie et de l'enthousiasme tous les jours. Even if you have to get up 1 hour earlier. Même si pour ça vous réveillez une heure plus tôt. Whatever it is. Truly, honestly, Phoebe, do you have anything on that? No, I think you've said it all. We have run over time and we could probably go for, you know, 6 more hours. It's a huge topic because it involves so many things. Re-listen, we actually got to some energetic stuff that, I mean, I've got a million clearings here all around me, and yet I think we got to some energetic stuff that is really what competition is like, this big, not this big. The important thing is that you go, oh, they're doing competition. Ooh, it's like a bad smell. It's like, ooh. Somebody farted. Oh, how embarrassing. Donc on a dépassé l'heure, mais on pourrait encore terminer, enfin continuer encore pas mal d'heures. Et on a réécouté l'appel parce qu'on a vraiment touché à pas mal de choses. Et ce qui est important de se rappeler, c'est que la compétition, c'est vraiment quelque chose de minuscule. C'est comme une mauvaise odeur. C'est vraiment sans importance. It's like a fart in the universe. Did you say that, Eryl? C'est comme un pet dans l'univers. It smells for a moment and then it's gone. But you go, oh, thank you for that information, universe, for letting me see these people are functioning from competition. That makes it so easy. Donc c'est comme un pet dans l'univers, donc ça sent un petit peu et puis après c'est fini. Ah, et merci de cette prise de conscience que les gens sont en train de fonctionner à partir de cette compétition. Ok, what would it take to function from contribution, creation, fun, enthusiasm, space? Et donc qu'est-ce qu'il faudrait pour fonctionner à partir de la contribution, de l'expansion et du fun, de l'enthousiasme? Okay. Et d'espace. Yeah. Do not give competition any more energy than that. Ne donnez pas à la compétition aucune autre énergie de plus. Tecla. Okay. So I think we will say good evening. For me, the sun has just come up. It's early morning. Donc pour Shauna, elle nous dit bonne nuit, mais pour elle, le soleil se lève tout juste. Thank you. Thanks everyone for being online. What will this create and generate for all of us? Merci. Et qu'est-ce que ça va contribuer et générer pour nous tous maintenant? Okay. So thank you all. And the recording, the audio recording and the replay will be out probably 24 hours before we get that out. Donc merci à tous d'avoir été présents. Il faudra sûrement en à peu près 24 heures que l'audio et l'enregistrement soient disponibles. Okay. Thank you. Merci Shauna, merci. Thank you, Tecla. Merci Eric. Et merci à toutes et à toutes. Bonsoir à tous. Okay, bye. Bye bye. Thank you. Bye.